Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, j'apprends, oh, j'apprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Une voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à Dieu cœur, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Seigneur, nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 41. Psaume chapitre 41, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance, l'Éternel est là. C'est merveilleux de pouvoir t'avoir, notre Dieu. Tu es toujours présent, ô notre Père. Jamais tu nous as abandonnés, jamais tu nous as laissés, Seigneur. Merci parce que tu es réellement le bon berger qui veille réellement sur son troupeau, mon bien-aimé Père au Dieu. Nous sommes consolés, nous sommes réellement reconfortés, mon bien-aimé Père au Dieu, parce que tu es le grand...
les grands aigles, mon bien-aimé Seigneur, qui veillent sous sa couvée, mon bien-aimé, notre Dieu. Que ton nom soit élevé, qu'il soit béni, mon bien-aimé Père Tibissant. Merci encore pour cette grâce d'être dans ta maison, en ces jours, mon bien-aimé Père Tibissant, où au dehors tout est sombre et si noir. Mais là, nous sommes heureux dans ta présence à toi, mon bien-aimé Père. Comme nous l'avons entendu dans le psaume 40, mon bien-aimé Père Tibissant, tu es réellement notre roi. Sois donc exalté encore ce soir. Sois béni, oh notre Dieu, pour mon frère que je peux voir aujourd'hui, pour ma soeur que je peux voir aussi aujourd'hui, pour ceux qui sont aussi en connexion les différents endroits où ils sont. Seigneur, qu'ils soient aussi bénis, Père. Nous te disons merci, oh bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, un peuple qui t'appartient, mon sauveur. Oh Dieu, notre victoire, c'est toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Notre espérance, c'est toi, mon bien-aimé Seigneur, notre Dieu. Nous comptons surtout sur toi, Père. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton soutien. Parce que tu es réellement un appui sûr et certain, mon sauveur. Merci réellement pour les cantiques qui ont été chantées ce soir, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci encore pour leurs cœurs qui sont élevés encore devant toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Pour dire combien tu es tellement grand, merveilleux, Père Tibissant, Dieu. Tu fais des merveilles, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu soutiens, tu secours, mon roi. Tu relèves l'indigent, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu guéris les malades, mon bien-aimé Seigneur. Tu es notre guérisseur. Tu l'as fait, tu l'as prouvé, Seigneur. Nous en sommes témoins, mon sauveur. Sois béni encore ce soir, mon sauveur, bien-aimé Père Tibissant. Merci encore pour le pardon de nos péchés. Nous a réellement lavé, sanctifié et purifié, Seigneur, pour que nous puissions dire dans ta présence, Père Saint. Louange et honneur à toi, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours des moments bénis lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble dans la maison de l'Éternel. Comme David pouvait certainement le dire, je suis vraiment dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous nous sentons bien quand nous pouvons nous retrouver et nous nous sentons bien quand lui aussi, il peut être aussi au milieu de nous. Et il a fait sa promesse en disant que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai donc au milieu d'eux. Nous sommes consolés de savoir qu'effectivement que notre Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il est vraiment cette lumière qui nous éclaire. Et il est aussi la consolation qui réjouit et console nos cœurs parce qu'il est vraiment le consolateur des affligés. Nous le remercions pour son amour à l'endroit de tout un chacun de nous, car comme nous l'avons entendu aussi, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a vraiment donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, notre Seigneur, veut réellement que nous soyons aussi semblables à lui, en ayant réellement aussi ces sentiments que lui pouvait avoir devant aussi les autres qui étaient aussi dans des conditions qui n'étaient pas aussi bonnes, parce que il est venu pour libérer les captifs. Nous étions aussi du nombre de ceux-là. Nous lui sommes encore vraiment reconnaissants, et surtout aussi pour sa fidélité à sa façon de faire les choses. Quand nous étions malades, il nous a guéris. Amen. Nous sommes vraiment heureux de voir qu'il est vraiment puissant dans la bataille. Nous avons un sauveur merveilleux et qui conduit à merveille son peuple. C'est pourquoi nous devons avoir de cœur rassuré et surtout chercher à ce que nous nous tenions effectivement dans sa présence. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Et nous savons aussi que jamais notre Seigneur ne nous refusera ce que nous lui demandons, parce que nous savons que si nous lui demandons quelque chose selon donc sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si certainement nous savons qu'il nous écoute, nous avons l'assurance que nous possédons la chose, même si ça prend du temps, mais nous savons que nous possédons cette chose en question. C'est cela l'assurance que nous avons en lui, notre Dieu. Il n'oublie rien du tout. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas, parce qu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et il environne toutes choses, il est le commencement et aussi il achève aussi. Combien nous pouvons lui dire merci tous les jours de notre vie de ce qu'il s'est fait connaître à nous. Il y a un cantique que nous chantons, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. C'est merveilleux, hein?
se souvenir que j'étais perdu et il m'a retrouvé. J'étais perdu dans ce monde, loin de sa face. Oh Seigneur, c'est merveilleux, hein, ça, voir comment une âme peut s'exprimer à l'endroit de son Dieu au travers des chants et des cantiques, effectivement, pour lui témoigner la reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il a fait aussi pour nous. Vous savez, nous avons vraiment sujet à pouvoir l'aimer de tout notre cœur et lui dire chaque jour, peu importe même l'état dans lequel nous pouvons être, lui dire merci Seigneur. Merci au Dieu du ciel. God bless you, my sister Doreen. Merci au notre Dieu pour m'avoir vraiment choisi. Amen. Dans un temps de brouhaha comme ça, où il y a beaucoup de gens qui font de tout et de tout et de tout, effectivement, surtout qui vont sur les montagnes, qui se cachent dans la caverne à gauche, à droite, comme les catholiques, les ceci et les cela. Mais Dieu a choisi quelqu'un qui ne les cherchait même pas. Je me suis trouvé par celui qui ne les cherchait même pas. C'est une grâce, parce que c'est Dieu, en fait, qui est venu nous chercher. C'est pour ça qu'on n'a pas de mérite, ma soeur. On n'a pas de mérite pour dire que moi, je suis meilleur que frère tel, je suis meilleur que sœur tel. Non, c'est simplement la grâce divine de Dieu. Et quand cette grâce est venue vers moi, je l'ai aussi reçue. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à un frère, ni penser du mal à ses frères ou à ses soeurs. Il a le même désir que toi. Être aussi là dans la présence du Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit que l'amour couvre une grande multitude. Il fait, mais je pardonne. Il a fait, mais je pardonne. Comment est-ce que tu peux continuer? Mais il a fait, mais je pardonne. Parce que je me souviens ce que j'étais. Amen, amen. Et c'est la grâce de Dieu qui fait son travail dans l'intérieur de tout un chacun. Parce que sans sa grâce, on ne peut rien faire de bon. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pour ça que je vais m'accrocher à lui pour que j'arrive à tout faire. Parce que je puis tout par celui qui... Ah oui, celui-là, c'est le Seigneur qui a donné réellement aussi sa vie pour que toi et moi, nous ne puissions pas échouer. Amen. Oui, 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 oui. Il a payé pour que nous ne puissions pas échouer. Parce que nous étions dans le bas. Incapables de faire quoi que ce soit de bien. Mais il a payé le prix pour que... C'est pour ça, ne pleure pas mon frère. Ne te tourmente pas ma soeur. Comment sera mon lendemain? Est-ce que tout va aller très bien? Il a dit que nos lendemains sont assurés. Amen. C'est la raison pour laquelle nous pouvons lui dire, tu es vraiment Dieu. Parce que tes paroles pénètrent la profondeur de mon cœur. Quand je suis triste et quand tu me parles, je suis consolé. En fait, il sait nous parler à propos. Touchant vraiment la chose qu'il faut effectivement dans ton âme. Vous savez, il veut vous montrer qu'il vous connaît. Vous avez l'impression qu'il ne vous connaît pas, il ne me voit pas, mais en fait, il te parle parce que tu dois comprendre que je te connais. C'est pour ça que nos cœurs et nos âmes doivent se réjouir. Vous savez, c'est très, très touchant de réaliser quand même, de voir les tableaux, comment à ce moment-là, oh non, Dieu, il est vraiment grand. Tous ceux-là qui pouvaient marcher avec lui, je me disais toujours, j'ai dit, Seigneur, si j'étais à cette époque-là, je ne sais pas comment j'aurais aimé, même s'il fallait cirer les chaussures tous les jours. C'est un privilège. Oui, frère et sœur. Je crois que si nous étions peut-être à cette époque-là, probablement à ce moment-là, Dieu nous aurait accordé quand même la grâce. Comme les autres, effectivement, qui l'ont reconnu. Philippe avait cette grâce en disant, mais nous avons trouvé. Mon cœur s'est reposé. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous pouvions être aussi. C'est notre façon de recevoir la parole de Dieu, hein, avec empressement, avec beaucoup de joie. C'est comme cela que nous sommes. Mais aussi, si nous sommes désinvoltes, peut-être que nous sommes là en train de boire du bois. C'est comme ça. Vous savez que la foule le suivait. Parce que quand on écoutait c'est Jésus de Nazareth, l'intérieur était reconforté. Les malades étaient guéris, les affligés étaient consolés. Et c'est pour ça qu'on le voulait, en fait, c'est Jésus. Parce que quand Jésus vint, tous les problèmes sont solutionnés. Amen, 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 les autres, ce jour-là, ils avaient un paralytique, ils ne savaient plus comment faire parce qu'ils étaient tellement fatigués. Il y avait une file, vraiment, de gens, ils ne pouvaient pas avoir accès. Il dit, simplement, si je peux dans sa présence. On a ouvert les toits. Il est descendu. Juste pour que Jésus le voie. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Amen. Peu importe les barrières qu'on peut mettre à gauche, à droite. Je vais tout faire.
comme qui? Zachée. Amen. Petit, il a dit, mais il faut que je trouve un sicomore que je puisse au moins le voir. Mais il ne se rendait pas compte que lui aussi voulait qu'il soit sous ses sicomores. Il nous connaît, mon frère et ma soeur. Il connaît qui nous sommes. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos soucis. Parfois, tu es dans ta chambre, tu es en train de boire, pleurer. Il dit, personne ne me comprend. Mon frère ne me voit pas. Mon mari ne comprend pas. Ma femme ne comprend pas. Mais il y en a un qui, dans le lieu secret, celui-là, il te voit. Il te dit, mais moi ici, je suis avec celui dont le cœur est brisé, l'esprit abattu. Voilà l'homme dont je suis avec. Nous devons réaliser que ce que nous faisons pour lui, ce n'est pas en vain. Parce que chaque chose que nous faisons, même si les gens ne reconnaissent pas, l'acte que nous posons pour lui, effectivement, le plus important, c'est de pouvoir faire ce qui convient. Vous savez, il y a quelque chose qui est frappant, c'est dans Matthieu, chapitre 24, 25, je pense, quelque chose comme ça. Il dit, et cela, je dis, Dieu du ciel. Regardez comment il exprime les choses. Parce qu'il y en avait ceux qui étaient donc à sa gauche et à sa droite. Vous remarquerez la manière dont il a eu à pouvoir parler. C'est très touchant, en fait, en cela. Regardez, je pense que juste lire cela, puis nous allons retourner dans Matthieu, que nous voulons lire ça, si Dieu le permet. Ah, et je pense que Matthieu, si ça casse. Voilà. Il dit ceci. Dans Matthieu, au chapitre 25, il dit, à partir du verset 42, il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, et j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous y êtes? Et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Vous savez, ces gens-là étaient totalement choqués. Je pense que je devais être tétanisé parce que, et entendre ça de celui dont on reconnaît et qu'il est réellement le Seigneur et puis le roi, puisqu'il était là assis sur son trône, et puis d'entendre que, parce que c'est au moment où tout le monde s'était quand même pour pouvoir quand même avoir sa récompense, et tout le monde, vous savez. Et chaque être humain sur cette terre ici, peu importe qu'il soit, comme il dit, athée, ou bien qu'on le brûle dans les crématoriums, comme on peut le faire, non, il s'éteindra ce jour-là. Amen. Chaque homme devra rendre compte, effectivement, de tout ce qu'il a fait sur la terre. C'est écrit dans les Saintes Écritures. C'est pour que nous comprenions, qu'en lisant un peu ceci, nous allons retourner, que nous comprenions réellement le regard que le Seigneur pose sur chaque homme. Et plus sur chaque croyant aussi. Ici, il dit, mais il dit à ces personnes, parce que bon, vous savez, ces personnes, je crois qu'ils étaient étonnés de pouvoir entendre que j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais donc en prison, vous n'êtes pas venu me visiter, malade, vous n'avez pas aussi visité ainsi de suite. Effectivement, j'étais sans domicile, vous ne m'avez pas recueilli chez vous, ainsi de suite, effectivement. Et tout cela, ils étaient étonnés, mais enfin, maintenant, si nous nous t'avions vu, Seigneur, vous savez, mettons-nous à leur place. Vous dites, mais Seigneur, que moi je te vois, sans vêtements. Que je laisse passer comme ça, c'est pas possible ça. Parce que je sais que si je te vois sans vêtements, j'irai même acheter tout ce que j'ai pour te donner parce que je sais que tu es le Seigneur. Et puis que tu viennes dans la ville où nous sommes et puis bon, ben, et qu'on puisse pas t'accueillir chez moi à la maison parce que c'est pas possible comme ça, parce que toi, tout le monde voudrait bien que tu sois dans sa maison. Vous savez? Et puis que tu viennes, que tu aies faim, et que moi, ici, si, je ne puisse pas, mais si je te vois venir, en plus tu viens comme tu es Seigneur de gloire, dis-lui, mais tout ce qu'il faut acheter, j'achèterai pour toi. Yeah. C'est souvent ça, ce que chacun de nous ici se dit.
Comment tu dis, mais si j'étais en ce jour-là, mon Dieu, tous on s'est dit cela. Quand on disait, mais que ferait-ce Jésus? Moi, j'ai dit, alléluia, libérez-les. J'aurais dit cela. C'est comme ça qu'on dit cela. C'est tout que te voir, toi. Mais c'est parce que tu les lis. Il s'était né là, effectivement. C'est parce que toi, on t'a eu à pouvoir te montrer. Mais c'est Jésus. Mais il était, en ce temps-là, effectivement, un homme des problèmes, un homme des paradoxes. C'est Jésus. Donc, aujourd'hui, tu le reconnais par les saintes écritures. Il n'avait pas lu jusque là où tu as lu. C'est ça, le preuve de la foi, le test. En réalité, effectivement, aussi. Et oui, c'est-à-dire que si c'était toi que j'aurais vu, Seigneur, c'est pour ça que les pharisiens, les saluciens, c'est la Bible, dis-nous si tu es le Messie, si tu es le Christ qui doit venir. Ils étaient sincères, mais sincèrement à côté. Parce que Dieu n'agit pas selon votre profonde compréhension, votre profonde vision, de voir que ça doit être comme ça pour que je croie. Il faut absolument que ça soit taillé comme ça, selon votre façon de pouvoir voir les choses, pour dire que, alors quand je vais accomplir ça, j'accomplis effectivement pour Dieu, en fait. Effectivement, il est venu selon ce que disent les saintes écritures. Le temps pour nous, il devient très court. On va vite, puis on va se lever pour prier. Vous comprenez les problèmes, non? On avait dit que, rapidement, dehors, mieux sûr pour vous, pour ne pas tomber dans un bouteille. Oui, alors regardez bien. Il a donné quand même des signes qu'on pouvait voir. Et que quand il passait le chemin, un aveugle qui ne pouvait même pas lire les Écritures. Alors que vous avez les yeux pour voir. Voilà pourquoi ces hommes-là n'avaient pas vraiment... Vous savez, devant Dieu, ils étaient coupables. Parce que quelqu'un qui n'a pas des yeux, qui ne voit rien du tout, il entend simplement que quelqu'un passe. C'est puissant. Hein? Et cette personne qui passe, effectivement, il sent que, effectivement, la terre vibre. C'est merveilleux, notre Dieu. Hein? Ceux qu'il a connus d'avance, il a certainement aussi prédestiné. Et c'est pour ça que vous entendez que l'élection n'échoue jamais. Les élus sont considérés comme des fous et des malades, surtout dans leur époque, évidemment. Des gens qu'on ne peut pas comprendre. Et cet homme aveugle qui ne pouvait même pas voir, qui ne pouvait même pas, parce que c'est aujourd'hui qu'on nous parle de braille. Braille, c'est-à-dire qu'en fait, les écrits pour les aveugles. Donc avec le doigt, vous pouvez dire, mais Bartimée ne connaissait pas. Braille, c'était un monsieur. Braille, c'était un monsieur qui, dans cet temps, qui a inventé cela. Braille, c'est un nom de monsieur. Ce monsieur n'a pas existé autant de Bartimée. Bartimée n'avait que des oreilles. Ce qui veut dire que quand on lisait quand même, il prêtait bien attention pour ne pas laisser passer quelque chose. Les oreilles des disciples sont bien, bien ouvertes. Parce que parfois, les yeux nous distraient. Hein. Vous me regardez, vous pensez à la casserole, vous pensez à la jupe, vous pensez à la chemise, etc. Vous êtes en train de me regarder, mais vous n'êtes pas présent. Vivement qu'il termine vite, je rentre à la maison avec les enfants. Parce que puis en plus, c'est la période de couvre-feu. Oh, c'est là, vous êtes parti. Mais regardez bien, il ne savait, il ne pouvait pas lire. Ah oui. Mais comment alléluia. Parmi tous ces hommes-là qui étaient là, courir effectivement, qui couraient, lui s'est levé. Aveugle. Il a crié le nom au propos. Il n'a pas tâtonné. Non. Alléluia. Ah, Dieu est tout puissant. Hein. Fils de David, c'était le nom approprié. Parce qu'il était venu pour vous dire, fils de David, comment pouvait-il avoir l'assurance? Alors que les grands prédicateurs disaient, mais on ne connaît même pas d'où il vient. Moïse, on sait. Vous vous souvenez, non? Mais celui-ci, là, on ne le connaît pas. C'est qu'on a pris, Jésus, on le connaît. On dit, donne gloire à Dieu. Mais c'est un pécheur.
Mais Bartimée, il dit non. Ah ah. Fils de David. Il crie fort, il dit, mais, hey, pitié de moi. Son cœur, il avait l'assurance qu'il avait trouvé celui qui devait lui donner la réponse à tout ce problème. Ces jours-là, c'était les jours de Bartimée. Vous voyez, mon frère et ma soeur, quand on est dans le temps de pouvoir être comme il faut être, effectivement, pour lui, parce que vous direz, Seigneur, si nous étions à cette époque-là, on dirait, non. Regardez l'empressement qu'on a. L'empressement qu'on a, Bartimée était aveugle. Il dit, c'est comme, frère, je ne sais pas, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais que Dieu nous aide, que ce chose ici passe. Amen. L'impression qu'un aveugle qui n'avait pas d'espérance. Non. Dieu, il est bon. Amen, amen. Non, parce qu'il n'y avait rien devant qu'on lui fait espérer qu'il va voir un jour. Mais il avait entendu parler. Alléluia. C'est lui qui a fait la joie du cœur de Jacob même. Quand les Shiloh viendra, t'es loin. Déjà, Jacob voyait. C'est pour ça, quand il a prié pour eux, il dit, papa, pas comme ça. Parce que tu ne vois pas bien, il dit, je le sais, mon fils. Pourtant, il était aveugle. Je sais. Ah oui, c'est vrai, ses yeux étaient appelés. Il ne voyait pas, hein, Jacob. Waouh. Le fils dit, mais je vais corriger, papa. Il dit, non. Ton papa est un serviteur de Dieu. Il est un prophète de Dieu. Il sait ce qu'il fait. C'est ce que le Père lui a dit. Non, mon fils, il dit, je sais. Il ne voyait pas, non, j'aime Dieu. Ah, mon frère et ma soeur, aimons le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur va faire en vous et avec vous, le monde sera étonné. Même vos voisins, même vos parents, vos membres de famille, ils vont dire, c'est pas possible. Et oui, avec Dieu, tout est possible. Amen. C'est merveilleux, frères et sœurs. Vous savez, comme nous disions, c'est Bartimée. On voit quand la semence de Dieu est là. Hein, ma soeur? On ne te laisse pas indifférent. Quand la semence de Dieu est quelque part, dans une personne, vous voyez sa façon de recevoir là. Cette personne ne regarde pas le physique de la personne. Il peut regarder la personne, mais qu'est-ce qui se passe avec la personne? Dieu ouvre le voile. Eh bien oui, c'est vrai. Vous me direz, mais vrai, mais juste vous rappeler, les temps vils. Vous souvenez quand Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Ça secouait Nathanaël, un homme qui aimait Dieu et qui aimait les Écritures. Il dit, Jésus de Nazareth, il sursaute et dit, mais vous avez fait une affirmation extraordinaire. Et vous me parlez, effectivement, c'est sûr, je connais ce que Moïse a dit, les prophètes, il dit, mais vous me parlez de Jésus de Nazareth. Mais il n'était pas question de Nazareth. Il était question de Bethléem. Ah oui, l'homme a dit, Philippe, il y a un problème. Ah oui, parce que c'est là, à mon titre, il a parlé. Et toi, Bethléem, Ephrata, pas Nazareth. Tu me parles de. Si tu me dis, je suis de Bethléem, je sauterai. Eh oui, parce que c'était de qui on l'appellera Nazaréa. C'est elle vivant dans cette ville. C'était écrit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça n'a pas secoué cet homme-là, parce qu'il était déterminé. Hein. Il savait qu'il était sûr de ce qu'il racontait, ce qu'il témoignait à cet homme ici. Nathanaël. C'est pour ça que quand il a dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, tu sais très bien qu'il n'y a rien de bon là-bas, mais nous on attend Bethléem. Philippe lui dit, mais viens. Quelle certitude. Oh, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Quelle certitude, quelle assurance. Viens toi-même. Ah, j'aime Dieu. Vous savez, Nathanaël ne se rendait pas compte en fait. Que personne n'avait dit à Philippe, va chercher Nathanaël. Non, mais c'est lui qui s'est tenu là, le coin. Il a suscité Philippe pour qu'il aille toucher Nathanaël. Pour quelle raison? Parce qu'il était là. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu étais sous le figuier,
lorsque Philippe t'appela. J'étais loin? Non, j'étais là. Ah oui, mon frère et ma soeur. Vous savez, quand Dieu t'a connu, oh, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On peut t'endoctriner de tout ce qu'on peut mettre comme doctrine à l'intérieur. On peut vraiment te dire, tu dois. Oui, ça va rentrer quelque part, mais il y a une zone qu'ils ne seront pas atteints. Eh oui. Amen. C'est pour ça qu'à ce moment, on dit, mais ah, c'est vrai qu'on le disait, mais j'y croyais, mais ça ne rentrait pas. Ah oui. C'est comme s'il y avait, mais ça ne rentrait pas quand même. Mais dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que maintenant, je comprends. Pourquoi? Parce que Dieu a veillé et qu'il a déjà eu à pouvoir effectivement faire en sorte que prévu ce qui était nécessaire. C'est pour ça que vous devez vous observer, ma soeur. De quelle manière vous vous tenez dans la maison de Dieu? Comment vous vous ressentez quand la parole vient à vous? Est-ce qu'elle fait de l'effet? Ou bien c'est simplement une religion que tu dis, j'entends comme tout le monde entend, puis bon, ça va, Dieu est bon, j'ai ma conception de Dieu. C'est là qu'on reconnaît qu'effectivement, que dans la liste de l'élection, vous n'y êtes pas. C'est important que nous comprenions ces choses parce que nous entrons dans une dimension particulière. Oui. Je vais vous rappeler une chose, ce que vous avez remarqué, que la pluie de la dernière saison, qu'on appelle l'arrière-saison, la dernière saison, lorsqu'elle va tomber, elle ne tombera plus jamais sur tout le monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous entrons dans... Oui, monsieur, oui, madame, c'est terminé. Parce que ce que nous attendons n'est que pour manifester, qui ça? L'épouse. L'épouse, madame, c'est l'élu. Celle qui a été choisie. Celle qui a déjà... Parce que regardez très bien. Pourquoi elle est épouse? Mais parce que, avant même, dès avant la fondation du monde, elle avait déjà les caractéristiques de Christ en elle. Ça ne s'est pas formé parce qu'il est dans le monde. Non. Depuis tout le temps, on a. Alléluia. Vous vous souvenez? Parce que nous avons entendu que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Où c'est? Dans le lieu céleste, en. Donc, en lui, donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, c'est comme Adam et Ève. Donc, Ève était où c'est? Dans Adam. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'elle est sur nous, c'est parce qu'elle était là-dedans. Et quand elle est sortie, elle n'était pas une autre question que 100% ce que Adam était. Vous vous souvenez, lorsque nous avons lu, dans, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la lecture, il est 20h15. Lisons et puis nous allons prier. Vous vous souvenez dans Genèse? Je veux que vous puissiez prêter attention, puis on va prier, on va rentrer à la maison. Genèse 15. Vous voulez qu'on les lise? Oh, pardon, 5, regardez bien. Genèse 5. Je pense que c'est Genèse chapitre 5. Je pense que c'est cela. Nous aurons eu l'occasion de le lire, en fait, c'est ça. Genèse chapitre 5. Et regardez bien. Au verset 1, il dit... Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. C'est ce que vous avez lu, mais prêtez attention. Lorsque Dieu créa l'homme. Vous avez entendu cela? Il a créé l'homme. Il dit, il le fit donc à la ressemblance de Dieu. Cet homme-là qui a été créé, il était à la ressemblance de Dieu. Bon, maintenant, quand on regarde notre frère Christian, on regarde Daniel, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il ne faut pas te lever parce que tu es tellement grand, on ne sait pas si... Mais vous le connaissez, non? Regardez Christian, regardez Daniel. Il n'y a pas l'ombre d'un doute quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc vous regardez Daniel, vous regardez son papa, il y a les traits de son père. Donc s'il a à la ressemblance de son père,
ce qu'il est né de lui. Ça veut dire que ce que lui il est, c'est ce que Daniel est. Donc il était un Dieu. C'est quand même pas moi qui dis, c'est écrit. Comment voulez-vous que je sois la ressemblance de quelqu'un qui n'est pas mon père? C'est écrit clairement. Et puis on nous dit bien que Adam était fils de Dieu. C'est pas comme dit ça, mais il était fils de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, fils de Dieu. Retournons un peu. Vous vous souvenez? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré? À aucun. Et pourtant, ils sont puissants. Mais toi, tu dis, notre Père, c'est-à-dire que Dieu est ton Père, donc il t'a engendré à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné le pouvoir de devenir enfants. Lesquels sont nés, ni la volonté de la chair, mais la volonté du Son est donc de Dieu. Et nous sommes donc fils et filles de Dieu. C'est pourquoi vous comprenez la sainte inquiétude dans l'Angèle du Béni-Bénin. Tel il est, tel il est, tel nous devons être. Tel nous sommes appelés à pouvoir être comme il est. On ne peut pas devenir autre chose. Qu'est-ce exactement comme celui qui nous a engendrés. Alors, regardez bien. Il dit, il le fit donc à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme, j'aime beaucoup cela, et la femme. C'est vrai, vous vous souvenez, non? Et puis il dit, il les bénit. Et vous vous souvenez, non? Il le bénit. Mais regardez très bien ce qui est merveilleux avec l'Écriture. Il dit, il le bénit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et les appela de quoi? Lorsqu'ils furent. Donc quand on a vu Adam, Ève était déjà aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit qu'il créa, on n'a pas dit que. Non, il créa l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'effectivement, que c'est là que nous comprenons combien Dieu est grand, que cet homme qui était debout là, Adam qu'on pouvait voir, qui parlait seul avec Dieu, effectivement, eh bien, comme il était à la fois esprit mâle et femelle, vous comprenez? Non. C'est pour ça que, oui, vous me regardez bien, c'est pour ça qu'il a fallu que Dieu puisse l'endormir, pas les prendre quelque part d'autre. Mais la partie femelle qui était créée là, cette partie femelle, c'était quoi? C'était Adam lui-même. Quand Ève a été donc mise, amenée à l'existence, qu'est-ce que Adam a dit? Voici donc celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire, comme nous l'avons toujours entendu, Ève était 100%. Bien sûr que oui. Ève était sans. Eh bien, os de mes os, chair de ma chair. Donc, c'est ce qui était dans Adam et ce qui était donc dans Ève. Et quand est-ce que Ève est devenue donc comme cela? Mais elle était toujours là, parce qu'elle était là à l'intérieur. C'est exactement la même chose avec l'épouse de Christ. C'est pour ça que vous entendez que le message ne peut pas faire de vous l'épouse. Autrement, alors, ça serait compliqué. Ça serait compliqué parce qu'on va coller des morceaux avec quelque chose qui n'a rien à voir. Ah ben bien sûr que oui. Vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs? Oh, pardonnez-moi, si on est tellement bien dans la semaine, parce qu'il est 20h21, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est merveilleux de réaliser la grâce que Dieu nous a accordée à nous. Frères et sœurs, juste pour que nous puissions bien saisir ma sœur, et puis nous allons rentrer vite, vite à la maison. Vous allez regarder une chose, frère. Toi et moi, nous ne pourrons jamais être éternels. Oui, oui. Pour quelle raison? Parce que pour éternel, ça n'a jamais ni commencement ni fin.
Mais c'est vrai, il peut pas, on ne peut pas commencer l'éternité maintenant. Non, l'éternité a toujours été éternelle. Amen. Donc pour que je sois éternel, il faut que j'ai toujours été existé. Mais c'est la vérité de la Bible là. C'est pour ça que nous sommes les fils et filles de Dieu. Parce que c'est pas moi qui dis, mais en lui donc, nous étions en lui, si nous sommes, nous étions en lui, ce que nous sommes des dieux. Maintenant, vous comprenez, et quand on parle que lorsque nous sommes la sémence, nous sommes l'élection, l'empressement que nous avons d'écouter la parole, la joie que nous éprouvons d'avoir un moment comme ceci, pour quelle raison? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous pousse à chanter. Amen. Sans la parole, nous faisons du bruit. C'est vrai. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Mais quand nous avons la parole, alors la l'onction descend. Nous disons, nous te louons parce que tu as fait. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Je vis pour lui. Alléluia. Je vis. Je vis au paradis. Moi je veux chanter. Alléluia. Oh oui, chanter. Alléluia. Chanter au paradis. Ce que Christ a fait pour moi, je ne saurais vous raconter. Ce que Christ a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Christ a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Je vis pour lui. Alléluia. Oh oui, pour lui. Alléluia. Je vis au paradis. Moi je veux chanter. Alléluia. Oh oui, chanter. Alléluia.